ce qui m'a fait peur, tant que vous m'appelez, je vous ai déjà dit que c'est toujours, c'est une boîte de Pandora. Après une trêve comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. L'avantage aujourd'hui, honnêtement, on jouait à domicile et le public était vraiment très puissant. On a renversé le match. Si c'était un match à l'extérieur, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas bien commencé le match. Et puis après, à partir du deuxième carton, je pense qu'ils ont mis 38 points dans trois cartons. Et un carton, on a encaissé 27. Voilà, c'est l'image du match, c'est ça. Non, non, ben, bien sûr, je pense que c'est le joueur qui a changé le momentum du match, c'était Ilkan. Il a fait, je ne sais pas, 7-8 minutes il a joué, mais il a mis 12 points et on a trouvé le momentum qu'on a besoin. Ça, c'est sûr, je n'ai pas parlé avec les joueurs, en disant avec sur des joueurs, mais je suis d'accord avec toi, c'est Ilkan qui a fait complètement l'écart. Après, deuxième mi-temps, on n'a pas fait jouer parce que Gravelines, quand on a commencé à creuser un peu l'écart, ils sont revenus à 4 petits et c'était un peu difficile pour Ilkan. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un peu plus d'agressivité avec Nianta. Mais je suis d'accord avec toi, c'est Ilkan qui a fait complètement, qui a renversé le momentum du match. C'est pas mal. C'est plus que bien quand même. Non, mais je pense que on pouvait avoir 14. Non, mais je dis comme ça. Mais ça donne de l'appétit. Est-ce que 14, tu penses que vous êtes capable de les avoir après les deux prochains matchs? Ben, l'objectif, honnêtement, il nous reste 3 matchs dans le mois de janvier. L'objectif, c'est de gagner 2, minimum. C'est l'objectif. C'est moi qui mets l'objectif, mais après, je ne sais pas. Hein. Mais l'objectif, c'est de... On a 3 matchs. On va à Dijon, on reçoit Asvel et on va au Portel. Le Portel qui a fait ce que j'ai compris, j'ai pas vu le match encore, mais très, très correct contre le troisième du championnat. Ça se jouait sur une possession. Voilà, il y a 3 matchs jusqu'à 31 janvier, je crois, on joue contre le Portel, si je me trompe, ou 30, oui, je sais pas. On va à Dijon, on reçoit Asvel et on va le Portel. Si on peut gagner 2 sur 3, on peut dire que c'est bon, c'est pas mal, ça va.